Roi, roi, un corps, quel qu'il soit, peut défendre sa limite. Refuser une particule de dehors, quelle qu'elle soit. Chez les psychotiques, notamment chez les schizophrènes, on voit bien que ce commerce presque quotidien avec des particules de soi ou avec des corps éventuellement non vivants extérieurs à soi ne pose aucun problème. C'est comme un exercice naturel. Si toi tu ne comprends pas, un schizophrène peut te prendre pour un demeuré, quoi. Mais comment pas? Ah bon, vous ne vous rendez pas compte que je sais pas quoi. Ça, tu le prouves dans ton travail clinique. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une sorte de sensibilité très particulière, évidemment, qu'on peut appeler délire. Bien sûr, c'est un délire. Par rapport à nous, c'est quelque chose qui, en tout cas, coupe le psychotique de ce qu'on appelle la réalité sociale. Et cette réalité, elle est complètement dominée par le langage, les relations sociales et tout ce qu'on veut. Donc, effectivement, ça le sépare du monde. Hein. Mais ça le rapproche de l'autre monde, dont nous sommes alors très, très coupés, par contre. Hein. C'est pour ça que Félix avait cette position élogieuse, hein, éloge de l'animisme. Alors, vous trouvez bien affûté où sur cette pierre. Il coupe bien. Vous voyez, attendez, moi, je vais vous montrer, moi, cette lame. Elle coupe bien cette lame, oui, bien aiguisée, voyez-vous. Un peu dans le... un petit peu d'ajustage, un peu impeccable. Et vous, alors, voyez bien, tous les coupes. Quand vous égorgez la gorge, c'est pas la peine. Pour ajuster les dents, les lames. Vous voyez. Et alors, on n'avait pas le couteau. Ah ben non. On avait fait un bon, moi, à 1810. Vous voyez. Bon, ben c'était vraiment une obsession dans toute l'histoire de la pensée que de, justement, définir ces catégories de qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Au point que on considérait que s'il n'y avait pas de langage parlé, c'est forcément animal. Donc on interdisait aux enfants qui, par exemple, avaient grandi sans l'usage de la parole, de continuer à s'exprimer en signes. Y compris les sourds. Pendant 100 ans, le Vatican a interdit l'usage de la langue des signes. Alors que c'est un langage par excellence. C'est pas celui des animaux. C'est quelque chose qui est construit et qui donc définit une forme de culture entre les sourds aussi. Dans toute l'histoire occidentale à l'égard de ce questionnement de l'humain, on a toujours considéré que c'était du côté de l'animal que le geste. Hein? Alors bon, il peut être très codé, mais c'est pareil pour la danse, c'est pareil pour toutes les pratiques corporelles, et puis ça va être pareil pour tous les peuples qu'on va rencontrer dans la colonisation. Séquence de ligne A1, première. Pardon. Parler. Parler comme si c'était tout naturel. En parler de ce gamin-là et des autres qui lui ressemblent. Alors que nous avons tout fait pour nous en passer du langage. De ce fameux langage qui nous fait ce que nous sommes. Et maintenant, il faut lui rendre des comptes. Mutique,
ce gamin-là, alors, à quoi se fier? À quoi se fier lorsqu'il fait défaut? Le langage. Nous nous sommes mis à tracer. Ce gamin-là, qui n'est pas parlant, trace. Pendant des mois, sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Nous nous sommes mis à tracer nos mains suivant à la trace ce que nos yeux voyaient. Nos yeux, ce que notre regard était capable de voir, de saisir, de nous rapporter. Et voilà les trajets de ce gamin au cours d'une journée de septembre 1967. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant, comme si quelqu'un était au centre de son manège, le tenant au bout d'une longe. Ça se dit qu'un gamin tourne mal. Lui, il tournait sans cesse, sur lui-même. Voilà ce que le langage nous fait dire. Il tourne sur lui-même. Mais si ce fameux lui-même est en fait absent, vacant, la trace, c'est la seule preuve que l'on ait qu'une action a eu lieu. Donc c'est la vérité par excellence. Donc on est au-delà d'un système de symboles, au-delà d'un système de position entre signifié, signifiant. Enfin, on est dans la vérité de l'action. Après, bien sûr, il y a mille manières de l'interpréter. Mais le fait que les aborigènes lisent la terre par ses traces, et c'est ça qui constitue la culture, c'est qu'on déploie la trace un peu comme un détective, hein, qui irait chercher les indices, etc. Voilà. Et donc quand Deleuze parle de l'animal, du devenir animal, au sens où justement il l'avait développé avec Guattari, c'est cet aspect-là, être aux aguets, c'est pas juste la prédation, le fait de chercher à capter une proie ou de faire attention à ne pas se faire prendre, mais c'est aussi savoir lire les traces. J'ai beaucoup aimé un passage où Guattari parle de dire quelque chose comme c'est un sujet objectivé, quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Et donc, en fait, que la subjectivité puisse être, en fait, un être parmi, un objet parmi les objets, plutôt qu'en position de transcendance par rapport au monde des objets. Mais au contraire, le sujet est la chose la plus. Qui aurait répondu au monde. C'est ça l'animisme. Finalement, c'est l'idée que le fond du réel, c'est l'âme. Mais ce n'est pas une âme non matérielle, au sens d'une âme qui est en opposition, en contradiction avec la matière, mais au contraire, c'est la matière elle-même qui est infusée d'âme.
était une fois des hommes et des pierres. Ils se tenaient volontiers près des sources et ils ne savaient pas pourquoi. L'eau, c'est quelque chose que n'épuise pas le pour boire. Et les pierres, elles étaient là aussi. Et le pour s'y asseoir, pour y casser des noix, pour en faire des murs, pour marquer des bornes, ne les épuise pas. Gamin-là, invivable, insupportable, incurable, il en prend des initiatives. Il jette le dé et le voilà parti pour faire. Mais dans un monde où règne le langage, aura-t-il jamais la liberté? Reste à savoir si nous l'avons, nous, les rues du verbe. Et aller savoir ce qu'il entend, quelles voix qui n'en sont pas et qui parlent du temps où l'être humain n'était ni l'un ni l'autre discriminé par le langage. Aucun animal n'écoute comme ça, pour rien. Le bruit qui vient du plus profond de l'eau, qui n'est pas une chose, puisque lui n'est pas quelqu'un. Cette possibilité de réintroduire une pensée du sujet qui ne soit pas une pensée idéaliste, mais au contraire, en disant une théorie matérialiste du sujet, le sujet en tant qu'entité matérielle, me m'attire. Je pense que ça va, de toute façon, ça va dans le même sens que la pensée des gens que je connais mieux, qui sont des peuples que je connais mieux, qui sont des Amérindiens d'Amazonie, et qui sont des animistes en ce sens-là, dans le sens qu'ils pensent que le fond commun de l'humain et du non-humain, c'est l'humanité. Si on va dans le mythe amérindien, le mythe commence toujours par dire au début, tous les êtres étaient des humains. Et finalement, le mythe, c'est l'histoire de comment certains de ces êtres ont cessé d'être humains, ont quitté l'humanité et ont devenu des animaux, des objets, etc. Tandis que nos mythes à nous, c'est exactement le contraire. Au début, on était tous des animaux, ou de la pure matière, et des choses sont survenues qui ont fait qu'une partie de ces animaux se sont humanisés. Et alors on a l'histoire héroïque de prométhéique, de l'humanisation comme conquête sur la nature, et alors on a la théorie de la culture, quoi, comme la culture comme l'âme moderne, quelque chose qui nous met à part du reste de la création, disons. Tandis que dans la pensée des Amérindiens, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est par ce côté-là qu'on est tous dans le monde. Les humains sont ceux qui ont, au contraire, une matérialité particulière. Ce qui nous fait humains, en tant que tel, c'est notre corps, non pas notre âme. Notre âme, au contraire, c'est la chose la plus répandue au monde. Toutes les choses sont animées. C'est ça, voilà l'animisme. Il faut faire encore, donc
de là l'importance dans le monde des Amérindiens, de toutes les techniques de fabrication du corps, ornementation, marquage, tatouage, incision, peinture, tout pour faire un corps qui soit suffisamment différencié de ce fond générique d'humanité, disons, d'âme, qui en fait fait que toutes les entités du monde aussi se communiquent. Pour Félix, les notions mêmes de nature et de culture, fussent-elles, si tu veux, réunies, ajointées, etc., laissent passer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement l'assignifiant qui ne peut penser qu'en termes machiniques, si tu veux. Et c'est là où la relève, disons, de la spiritualisation, c'est la déterritorialisation, et où cette déterritorialisation est nécessairement machinique. Mais si tu veux, ce que je veux dire, c'est que entrer dans le monde de Félix, c'est accepter, au départ et au milieu, de ne pas savoir très bien ce qu'est l'animisme, quand on dit l'animisme machin, et même le machinique, quand on dit le machinique machin. L'arme au feu est bien bas. Vous m'entendez bien? Et bien bas. Vous m'entendez bien? Et bien bas. Je vous assassiner. Perdez la tête. Je vous coupe la tête. Moi, je vais vous mettre où, moi? À partir, disons, de la fin des années 60. Bon. C'est une espèce de leitmotiv constant auquel il revient sans cesse. Bon. Sa découverte de Gemsleff. Il n'y a pas de distinction réelle entre contenu et expression. Il faut penser en termes de substance d'expression. Les flux de signes travaillent à même les flux matériels. Je veux penser, je cite comme ça de mémoire, une traversée moléculaire des signes, etc. etc., etc. Sincèrement, si on n'est pas des spécialistes de Gemsleff, personne autour de cette table n'est un spécialiste de Gemsleff. Bon. La seule façon de le prendre, c'est effectivement de comprendre que s'il n'y a pas de distinction réelle, si tu veux, entre expression et contenu, s'il faut penser en termes de substance d'expression, on est littéralement dans un monde animiste. Alors, tu vois, bon, alors tout à coup, et c'est ça, c'était vraiment la façon, je pense, et je suis sûr, dont Félix fonctionnait. Si tu veux, et tu en trouves, y compris des échos explicites, si tu veux, dans les plateaux. Et ça, c'est vraiment des trucs de Félix, quoi. C'est-à-dire cette idée que le plus réel, c'est cet endroit où le plus abstrait et le plus concret se touchent. Immédiatement, si tu veux. On est là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas de distinction réelle
entre expression et contenu, là, on est dans l'ordre d'une sémiotique des intensités. Et bien évidemment, la catégorie fondamentale, qui est la catégorie fondamentale de Félix, c'est l'idée de sémiotique asignifiante. Et à partir de là, tu comprends aussi, à mon sens, la façon dont il va à la fois attaquer frontalement le structuralisme et totalement se désengager de toute espèce de formalisme structuraliste en mettant en place la notion même de machine. Et la procession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un hauka. Devant ses saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba, l'un des punis qui est dans la brousse. Gerba, qui est possédé par le hauka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice. Le caporal de garde a reçu des écharpes rouges de commandement. Et le troisième possédé se lève. C'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Locotoro. Les maîtres fous nous montrent comment on peut, en appartenant à une société secrète, dans la forêt, vivre aussi l'autre part de nous-mêmes, la part du psychisme libre, de l'inconscient, on pourrait dire, n'est-ce pas, l'inconscient machinique de Gilles et Félix, et par une action rituelle qui est un agencement collectif d'énonciation, exactement comme un happening ou comme le jeu du Kadavrixki qui est ici exposé, et qui permet à ces autres, n'est-ce pas, au sens nietzschéen des autres, de sortir, de s'exprimer librement, de ne pas être réprimé, de ne pas être réduit au silence, mais de pouvoir se déployer et ensuite fatigue, repos, et on retourne dans l'autre rôle. C'est-à-dire que c'est un exercice de la schizophrénie. Dans ceci que il montre des artistes, des personnages, des êtres humains, qui osent utiliser leur corps comme un laboratoire vivant. C'est-à-dire que leurs idées,
leurs croyances, leur discours, leur langage, leur activité n'est pas dicté par une idéologie préétablie, mais par une expérience sensorielle du réel. Le toucher, c'est très compliqué. Et la mécanique, comme la perception, comme la sensation de toucher, prend une structure que définissent la forme des petites fleurs. Et j'ai beaucoup étudié la physique, les mathématiques, tout ça, énormément. J'ai étudié aussi la médecine et la psychiatrie, mais peu. Mais beaucoup l'atome d'oxygène. J'ai travaillé pour le sous-marin atomique, pour la bombe atomique, tout ça. Ça marchait très bien. Beaucoup. Et les atomes, c'est pas du tout le carbone, c'est eau, tout ça. Faut bien se dire qu'il y a un noyau, mais le noyau vit dans le temps. Par conséquent, il doit évoluer d'après une structure qui, elle, évolue dans le temps. Pardon. C'est ça d'abord. Et ça, donc, c'est un terrain d'expérimentation, si tu veux. Mais ça veut dire, et là il faut pas jouer sur les mots, il faut prendre les choses vraiment sérieusement, c'est-à-dire politique de l'expérimentation. C'est-à-dire en quoi l'expérimentation engage toute une politique. Bon. Et cette politique, elle renvoie à nouveau à faire avec la signifiant. Parce que de toute façon, les gens qui sont là, qui vont pas bien du tout, qui vont même plutôt éventuellement très mal, on ne va pas les soigner à coups de signifiants. Ça, c'est certain. Parce qu'au mieux, Lacan, on peut produire une interprétation hyper formalisée d'une causalité symptomatique. Mais, et eux, ils en font quoi? Ben rien, parce que, manque de bol, ils sont même pas des névrosés, c'est des vrais psychotiques. C'est des vrais psychotiques. Il faut pas le voir comme une perspective théorique ou dogmatique. Ouais. C'est plus l'expérimentation d'un autre abord, appelons ça la folie, qui nous a amenés à ça. C'est pas une. C'est progressivement, c'est sans arrêt, les institutions ont changé, ont bougé, ont évolué, on les a modifiées. Il y a eu des polémiques, il y a eu des tentatives de toutes sortes. Parce que pour nous, le vrai problème est de créer un milieu où puissent s'exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas s'exprimer ailleurs, compte tenu du caractère de refermeture. Par exemple, d'un malade sur son corps, sur ses problèmes. Ouais. Pour sa famille, pour son rôle. Alors si en face de lui, vous êtes vous-même refermé dans votre fonction, dans vos idées, dans vos préjugés, eh bien, une refermeture renvoie à une autre refermeture. Donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Mais il faut ouvrir quoi? Il faut ouvrir les murs, déjà, ouais. Vous voyez. Mais il faut ouvrir aussi, je ne sais pas comment dire, les comportements, les attitudes, les mimiques, les esprits, les idées. Ce qui fait qu'au fond... Débloquer. Moi, je pense que les problèmes politiques, et de plus en plus, sont en même temps de même nature que les problèmes qu'on trouve dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure entre ce qui va faire que vous allez être névrosé,
que vous allez être dans une impasse, dans une difficulté personnelle, et puis les problèmes que vous avez dans votre vie de couple, la vie avec vos enfants, la vie avec votre travail, la société. Avec de proche en proche, ce sont les mêmes problèmes. Donc moi, je me méfie beaucoup des gens qui font cette coupure. Si vous voulez, on le voit bien dans certains malades, dans certains délires graves, on voit qu'il y a des thèmes de problèmes tout à fait sociaux, les Chinois, les Russes, les fusées, les rayons de toute nature. Les camps de concentration. Les camps de concentration, oui, c'est ça, le racisme, qui joue comme matière même du délire. Ce qui montre qu'il y a une communication entre tous ces thèmes qui sont véhiculés par la télévision. Et puis, les choses les plus intimes qu'on vit dans la solitude, qu'on vit dans le délire, qu'on vit dans l'impasse. Donc je me méfie, si vous voulez, s'il y a, pour moi, il n'y a pas un inconscient individuel et un inconscient collectif, il n'y a donc pas un spécialiste de l'inconscient individuel, et puis, je ne sais pas quoi, qui est chargé de représenter les problèmes collectifs. Pour moi, c'est un peu le même type de problématique. Tout est lié. Enfin, c'est une perspective, parce que dans la pratique, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est pas en tenant ce discours que vous allez... Donc, ça, ce que je te disais là aussi hier, c'est que le groupe sujet, c'est pas seulement quelque chose qui s'autonomise pour établir son propre système de coordonnées et qui développe ce qu'on pourrait appeler une politique extérieure, enfin, qui développe un certain type de rapport et qui, en conséquence, reçoit de l'extérieur une vision de lui-même. Ce qui fait que les positions des individus se trouvent au minimum surdéterminées par cette subjectivité collective, cet agencement subjectif dit groupe sujet. Mais alors, à mon avis, il faut voir les choses un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a cette possibilité d'un degré zéro du sens, d'une scène permettant de reprendre des directions de sens, qu'il y a une jeunesse possible d'autres directions de sens. Il y a ce que j'appelle une hétérogenèse du sens, à la fois hétérogénéité et en même temps jeunesse processuelle à partir de noyaux comme ça, de reprise à zéro. Donc il y a l'idée d'une coupure, comme une scène de théâtre, qui se coupe des règles ordinaires du sens, et il y a l'idée que sur ce type de scène, dès lors, certains éléments peuvent prendre une fonction de singularisation qui n'aurait pas autrement. Alors, la scène institutionnelle, c'est justement une scène sur laquelle tel symptôme d'un psychotique ou tel accident de la vie quotidienne, tel comportement caractériel, enfin, quelque chose qui se met en travers du fonctionnement normal, ça peut concerner aussi bien la femme de ménage que le directeur, la femme du directeur ou le psychotique là, du coin. Au lieu que ça reste dans une perspective circulaire, que ça tourne en rond de façon mortifère, ça peut déboucher sur autre chose, ça peut s'orienter, ça peut créer une sorte de développement baroque de la subjectivité. Et dans ce domaine, la psychothérapie institutionnelle a démontré qu'on pouvait aller très très loin. Qu'on peut arriver à faire avec 150 personnes, 180 dans la clinique de la Borde, c'est inouï. Le nombre de choses, d'activités, comme une musique institutionnelle, musique subjective, inimaginable dans le genre d'institution classique et ordinaire, quoi, des cliniques ou des services ordinaires.
Laborde, c'était une espèce de laboratoire polyphonique. Et c'est vrai que quand on est en contact avec la psychose, on est complètement déterritorialisé du sujet immédiatement. C'est-à-dire la subjectivité et les subjectivations n'ont strictement rien à voir avec l'identité du sujet qui est en face de nous. Et c'est comme si ça permettait de faire proliférer toutes sortes d'entités qui sont ailleurs. Alors, dans ce cadre de la déterritorialisation, on voit bien que, pas sur un mode identificatoire, mais sur un mode d'expérience presque, sensible, pathique, comme disent les phénoménologues, il y a ces devenirs autres. Alors, devenir machine, c'est devenir animaux, c'est devenir imperceptible, etc., qui sont autant de, pas de fusion, mais d'échanges, de gradients, d'échanges de subjectivité, de subjectivité avec d'autres éléments ou d'autres parcelles de la nature. C'est peut-être ça la subjectivité monde. Ça ne veut pas dire que tout est mondialisé et que tout le monde va être pareil, mais ça veut dire que il y a, on retrouve là, dans ce processus-là, la possibilité qu'évoquaient les philosophes, moi je ne suis pas assez philosophe pour en parler, que l'homme et la nature ne soient pas placés comme deux pôles confrontés l'un à l'autre dans un conflit. C'est peut-être un peu comme ça que Marx en parlait, hein, disait, il faut vaincre la nature, surmonter la nature, permettre de maîtriser les possibilités. Et il y a une autre façon de penser les choses qui apparaît beaucoup dans l'écologisme de Félix, justement, dans les trois écologies, qui est de dire non, il y a une sorte aussi d'échange permanent, hein, de capacité de faire l'expérience micro et macro cosmique, hein, de la nature sous ses différents aspects, minéraux, végétaux, animaux, etc. Donc quelque chose qui a à voir avec l'animisme, en effet, qui fait que si cet échange permanent est possible, si cette interaction est possible, c'est pas un mot tellement de Félix, ça. Mais si c'est possible, alors elle est possible dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on peut prêter aux arbres aussi leur capacité de nous faire quelque chose, quoi, de nous travailler, aux animaux de nous induire, de nous modifier, de nous séduire, de nous conquérir, etc., etc. Là où il faut cette logique pratique, cette appréhension non discursive, on est en rapport avec toute autre chose. Et à mon avis, il y a ces objets mentaux dont il parle et qu'il dit qu'en partie Freud les a découverts, mais les a immédiatement refermés dans le triangle édipien et plus tard. Tout cela a été soumis, disons, à la logique structurelle et puis au despotisme du signifiant. Tout ça, il faut le rélibérer.
Et quand ça se libère, c'est vrai que ça fait une espèce de profusion indomptable, parce que ça prolifère partout, et ça peuple autrement le monde. Ça, je crois que ça crée d'autres mondes possibles. Bien, et Guattari aussi. Il y a Guattari aussi, c'est que la première chose à faire, c'est de couper les liens entre les sujets et l'humain. Donc la subjectivité n'est pas synonyme de humanité. Le sujet, c'est une chose, l'humain, c'est une autre. Le sujet, c'est une fonction objective qu'en fait on trouve déposée sur la surface de toutes les choses. Et ce n'est pas un type d'objet spécial. Du cristal jusqu'à... Voilà. Sujet, c'est, enfin, tout est là. Non, sujet, c'est une façon de décrire, en fait, l'action des choses, l'action de... En fait, c'est ça pour les Indiens. Ça, sans doute, je sais pas pour Guattari, mais... Sujet, c'est une façon de décrire le comportement des choses. Exactement comme pour nous, objet, c'est une façon de décrire, au sens que pour nous, la science s'imagine comme étant... arrivant en état scientifique, quand elle est capable de pomper, de vider le monde de toute intentionnalité. Une description scientifique du monde au sens moderne, vulgaire du terme, c'est un monde où tout est décrivable en termes d'interaction matérielle entre deux particules, disons. Pour les Indiens, c'est exactement le contraire. La question, c'est toujours qui et jamais quoi, qui. Parce qu'il n'y a des choses qui n'arrivent que ne soient pas liées à une intention, en général une très mauvaise intention. C'est-à-dire que c'est la théorie du soupçon, mais portée à grandeur qui est beaucoup plus grande que celle des Nietzsche ou des Bourdieu, si vous voulez. Et dans ce sens, oui, c'est en des sujets. L'idée, c'est d'abord qu'il y a plus de sujets que des humains. Ensuite, que les sujets par essence multiples. La subjectivité, c'est une fonction de multiplicité, non pas d'unité. Ce n'est pas une unité de la conscience, ce n'est pas une fonction d'intégration, mais au contraire, c'est une fonction de dispersion. La subjectivité n'est pas la synthèse transcendantale, mais au contraire, c'est la synthèse disjonctive, pour parler comme l'autre, les autres. Et pour moi, ça sert l'animisme. C'est un monde qui est foncièrement anti-monothéiste et tout ce qui va avec le monothéisme, c'est-à-dire le mono-anthropisme, le mono-subjectivisme, l'idée que le un soit la forme que l'être doit assumer pour se faire chair, quoi. La psychanalyse freudienne, mais aussi la psychanalyse lacanienne, c'est-à-dire le structuralisme de la psychanalyse, axe tout sur les questions du langage, ont en quelque sorte pris en charge tous les phénomènes qui échappaient à la compréhension de la psychologie classique, de la psychologie universitaire. Donc, ils se sont portés à la découverte de ce qu'on a appelé un nouveau continent de la subjectivité. Seulement, au lieu d'explorer ce nouveau continent, ils se sont comportés un peu comme les explorateurs au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, enfin disons, dans la grande période coloniale,
ils ne se sont pas intéressés à ce qui se passait vraiment dans le continent africain ou dans le continent américain. Et ils ont surtout porté leurs efforts pour comprendre suffisamment de choses et pour adapter les populations au mode de vie européen, au capitalisme européen. Et bien les psychanalystes, ils ont fait la même chose. Ils se sont intéressés aux rêves, aux lapsus, aux actes manqués, à la psychose, à la psychologie enfantine, aux mythes, etc. Mais pas pour comprendre, approfondir les logiques spécifiques de ces domaines, mais pour les ramener à la compréhension dominante, au mode de vie dominant, c'est-à-dire celui où il y a un certain type de rapport entre une femme, un certain type de triangulation familiale, un certain type d'interprétation de la réalité. Voilà mon reproche, c'est que la psychanalyse s'est comportée comme une sorte de puissance coloniale par rapport à l'inconscient, qui est quelque chose qui échappe justement aux réalités qui sont les nôtres dans nos sociétés développées. Si on pense à une subjectivité animiste ou à une subjectivité postcoloniale ou précoloniale, on n'est pas centré dans le moi et on peut plus parler de sujet. Parce que l'idée de sujet, c'est l'idée de sujet moderne, régie par les principes identitaires et réduite à ces capacités-là. Mais si on active ces autres capacités du corps et de la subjectivité dans le processus de subjectivation, là, on peut plus parler... Là, on n'est plus anthropocentrique ni logocentrique, et on peut plus parler d'un sujet et d'un objet. Comme Freud, au début de sa théorie, il disait que la vie, c'est un plasma germinatif. Et on peut le traduire autrement et dire le plasma germinatif, ça veut dire la vie est fondamentalement puissance de différenciation, puissance de création. Cette capacité-là, c'est ce qui nous permet de nous conduire et inventer la réalité, c'est-à-dire la pensée, l'exercice de la pensée, pour trouver toujours les façons dans lesquelles la vie peut prendre corps, peut s'actualiser et combattre les forces réactives qui empêchent ces processus. Donc, c'est exactement cette capacité qui existait dans plusieurs cultures qui ont été réprimées par l'Europe occidentale, dont évidemment toutes les cultures africaines et indigènes, Afrique et Amérique latine, mais aussi la culture juive chassidique de l'Avant et Inquisition, qui avait aussi c'était le centre de la philosophie juive chassidique. Même s'il faut, il y a plusieurs lignes dans ça, et il faut faire comme Spinoza a fait, qu'il a retiré l'idée de Dieu, d'un Dieu monothéiste transcendantal, cette histoire, mais a récupéré toute cette capacité de penser par et dans l'immanence. Toutes ces cultures-là, elles avaient ça. La culture africaine a été réprimée pendant 3 siècles d'esclavage, les cultures africaines. Les cultures indigènes ont été pratiquement détruites, et la culture juive méditerranéenne, et l'Espagne, ça a été très important, a été détruite pendant 3 siècles d'inquisition en Espagne et Portugal, avec la naissance de l'Espagne et du Portugal. Quand le catholicisme apostolique romain inquisitoire s'est installé. Bon, tout ça, en même temps qu'il y a, dans un point de vue visible et macropolitique, il y a la répression de ces cultures-là, la censure, mais d'un point de vue micropolitique, il y a une inhibition de cette possibilité, il y a l'inhibition de la boussole vitale, il y a l'inhibition de l'expérience du monde par l'affect, une inhibition d'accès à la sensation pour pouvoir mettre la pensée au service de l'actualisation de ce qu'il faut s'actualiser, et tout ça reste sous refoulement. Et ce refoulé-là, je l'appelle refoulé colonial. Et pour moi, d'un point de vue micropolitique, et je crois que, évidemment, Félix nous a énormément aidés à se connecter avec ça, peut-être c'est le philosophe qui nous a plus aidés, parce que c'était un philosophe à la fois militant et à la fois clinicien, psychanalytique, c'est d'activer cette capacité-là. Il faudrait peut-être réfléchir plus à cette notion de corps. Seria preciso talvez refletir mais sobre essa noção de corps.
on se représente les choses dans nos sociétés, dans les sociétés industrielles développées. Représentam-se as coisas na sociedade industrial desenvolvida. Comme si on avait un corps. Como se tivéssemos corpo. Mais c'est pas évident du tout. Mas isso não é evidente. Je crois qu'on nous attribue un corps. On nous produit un corps. Un corps capable de se développer dans un espace social, dans un espace productif, et dont on est responsable. Et de torná-lo responsable. Une des grandes phases d'initiation au flux capitalistique pour l'enfance, c'est justement d'intérioriser cette notion de corps. Tu as un corps nu, tu as un corps honteux, tu as un corps qui doit s'inscrire dans un certain type de fonctionnement de l'économie domestique et de l'économie sociale. Você tem um corpo que tem que se inscrever num certo tipo de economia social, de economia familiar. Et alors, le corps avec le visage, avec la façon de se comporter dans tous les détails des mouvements de l'insertion sociale. O corpo com a face, com todos os modos de se comportar de determinado modo na sua inscrição social. C'est quelque chose qui vient toujours comme mode d'insertion. É sempre alguma coisa que vem como modo de inserção. Dans la subjectivité dominante. Na subjetividade dominante. Et quand le corps surgit comme tel, comme problématique, par exemple, névrotique. Como, por exemplo, como problemática neurótica. Comme problématique d'angoisse. Como problemática de angústia. Ou comme problématique amoureuse. Ou como problemática amorosa. Ce qui est souvent d'ailleurs identique. Que, aliás, é bem antiga. C'est qu'on se trouve à un certain carrefour de l'articulation entre désagencement potentiellement productif d'un possible singulier et puis les agencements sociaux, les équipements collectifs sociaux qui attendent une certaine adaptation, normalisation. Et depois, agenciamentos sociais e coletivos que esperam certo nível de adaptação social. Il y a d'autres systèmes anthropologiques. Existem outros sistemas antropológicos. Où cette notion de corps individuel ne fonctionne pas du tout de la même façon. Onde essa noção de corpo individual não funciona do mesmo modo. D'ailleurs, la notion même de corps n'existe pas comme tel, de corps naturel. Aliás, nesses lugares, o corpo nem existe como tal, como corpo natural. Le corps, disons, archaïque n'est jamais un corps nu. O corpo arcaico, por exemplo, nunca é corpo nu. C'est toujours un sous-ensemble d'un corps social, traversé par les marques du socius, par les tatouages et les initiations, etc. Mais ce corps ne comporte pas d'organes individués. Il est lui-même traversé par des âmes, des esprits qui appartiennent à l'ensemble de l'agencement collectif. Il est traversé par les âmes, par les esprits qui appartiennent à l'agencement collectif. L'animisme, c'est ce mode d'appréhension du monde, ce mode de conduction de l'existence et de la pensée, et cette éthique de la pensée, et cette tâche fondamentale de la pensée d'un point de vue éthique, politique, clinique, esthétique dans la vie humaine, dans l'existence humaine. Et c'est ça, c'est le refoulé colonial, par excellence. Donc la résistance au plan micropolitique, elle passe essentiellement par là.
A capoeira era considerada o braço armado do candomblé, o candomblé era considerado a mão invisível da capoeira. Dentro do imaginário da sociedade, a capacidade também de lidar e de usar feitiços. Né? Para nós que trabalhamos com a capoeira Angola, a gente tem um grande desafio, que é situar, historicamente, as matrizes da capoeira numa África, né, que não passou a existir com o escravismo. Né? Então, nós trabalhamos com os referenciais de homens e mulheres livres. Quando a gente reinventa essa África, né, a gente vai buscar os mitos africanos exatamente para compor, né, uma construção histórica. Aproxima essas pessoas do sagrado, né, pela retomada desse corpo, né, é dentro dele que mora o Deus, não está fora do corpo, né, os povos africanos, o meu Deus está dentro do meu corpo, ele é traduzido no meu inquice, no meu orixá, etc, nas energias que eu carrego, nas heranças que eu recebo da ancestralidade. Les traditions africaines se sont actualisées au long de ces 5 siècles au Brésil et elles sont toujours là. Si on pense la transe, les rituels de transe, on dit que dans la transe, on reçoit les entités, les orixás, les divinités. Mais chacun a plusieurs divinités par une ordre hiérarchique. La divinité principale et 6 autres. Et dans l'initiation, petit à petit, on connaît les unes après les autres. Mais les orishas de chacun, par exemple, le mien, c'est Oshossi, c'est un paquet de puissance singulière. Dans ces modes de subjectivation-là, si ce que j'énonce, c'est la façon dont je rencontre pour donner corps et substance aux affects du monde qui me traverse, ce que j'énonce, ce n'est pas mon moi qui l'énonce, mais c'est un agencement collectif d'énonciation qui se présente dans mon corps sous la forme des sensations de la friction entre ça et le répertoire dont je dispose. Et donc, ce que j'énonce, ça ne vient pas d'une énonciation individuelle, ça vient toujours d'un agencement collectif d'énonciation. Et c'est pour ça que ce que j'énonce est porteur de cet agencement collectif d'énonciation, et c'est pour ça que c'est un pouvoir effectif des contagions, des contaminations et des convocations dans ceux qui partagent le même milieu de pouvoir énoncer eux-mêmes à partir de leur façon singulière, à partir de cet agencement collectif d'énonciation. Tentative contrôle social à l'échelle planétaire se heurte à des niveaux de résistance que j'appellerais donc moléculaires, ceux des formes qui traversent les différentes sociétés, les différents groupes sociaux. Et il ne s'agit pas seulement de faits de résistance, il s'agit aussi d'une certaine invention, d'une certaine création de nouvelles formes, de nouveaux modes de subjectivation collective. Mais aujourd'hui, on en est au niveau du mode de production industriel mondial de la subjectivité, par les industries mass-médiatiques et par les réseaux d'équipements collectifs. Donc la problématique qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on peut concevoir une société organisée, une société qui ne soit pas utopique, mais qui produit des modes de subjectivité sur d'autres bases que cette industrialisation, cette mondialisation de la production. Ce que je veux dire, c'est l'anthropologie, c'est en fait la théorie, ce que j'appelle pour
faire un peu du Trotsky maison, la décolonisation permanente, la théorie de la décolonisation permanente de la pensée. Pour moi, c'est ça l'anthropologie. Ce n'est pas une question de décoloniser la société, mais c'est de décoloniser la pensée. Comment décoloniser la pensée et cette décolonisation doit être permanente, parce que la pensée est constamment attirée par des mouvements de précolonisation, de réterritorialisation. Et l'anthropologie, pour moi, ça sert à ça. Ça sert de théorie, de pratique, de décolonisation permanente de la pensée. Et je pensais que j'ai toujours cette idée que la notion de société contre l'État était une notion profonde. Évidemment, il fallait l'approfondir d'abord. Pas cette notion qui a été jetée un peu comme ça par Clastres. Il fallait l'approfondir autant que possible. Et ça va avec l'idée de société sans antériorité. C'est-à-dire que, parce que finalement, l'antériorité, c'est l'État. J'aime toujours faire ce jeu de mots, dire l'État, c'est les moi. Non? Et donc, une société sans État, c'est une société sans moi, sans intériorité dans ce sens-là. L'animisme, c'est finalement ça, l'idée que le sujet est dehors, le sujet est partout. La société n'est pas le gardien de l'État, n'est pas ni le gardien, ni la garde de l'État. La société ne coïncide pas avec l'État. C'est ça l'idée que la société est contre l'État. Qu'est-ce que c'est que vivre dans une société sans État, contre l'État? Nous n'avons aucune idée. Il faut y vivre pour voir comment les choses se font dans un monde qui n'a pas d'État. Qui, plus qu'il n'a pas d'État, comme dirait Clastres, qui est contre l'État, dans ce sens de qui, enfin, s'est constitué précisément sur l'absence de l'État. Hein? Non pas en l'absence de l'État, mais sur l'absence de l'État, pour que l'État ne puisse pas être là. Et l'animisme, à mon avis, a partagé avec ça. L'animisme, c'est finalement l'ontologie des sociétés contre l'État. Il y a, heureusement, des zones de résistance potentielles à cette unidimensionnalité de la subjectivité, ce que j'appelle une hétérogenèse possible de la subjectivité. Ces zones, c'est déjà l'enfance qui, pour une part, au moins transitoirement, échappe, arrive à avoir des moyens de sémiotisation riches, différents, pour produire de l'existence. C'est aussi tout ce qui existe comme crise chez les individus, qui peuvent être des crises négatives, névrotiques, psychotiques, mais qui peuvent être aussi des volontés de création, des volontés d'affirmation de l'existence. C'est aussi des peuples qui résistent ou des catégories sociales. Alors moi, j'attends dans un rêve comme ça, utopique, qu'il y ait des moyens de recomposition de la subjectivité qui viennent, en particulier, qui soient ancrés, centrés sur le Sud, compte tenu aussi de son expansion démographique considérable et de toute cette pression que le Sud va exercer sur le Nord, et que de là, il y ait aussi des recompositions, alors cette fois plus idéologiques, plus militantes, pour infléchir les rapports de force, pour transformer les relations internationales, pour créer d'autres voies de résolution, non seulement des conflits économiques, mais aussi des tensions interethniques et de toutes ces situations
qui sont monstrueuses actuellement, ça, à peu près partout sur la planète, quoi.